manque énormément de public depuis la crise de Covid. Pourquoi, pour plein de raisons, ce soir ça fonctionne à Montpellier, parce qu'il y a, un vivier de gens qui sont très engagés, militants, et qui sont intéressés par ces questions-là, et puis que peut-être le boulot a été fait pendant toutes ces années. Alors que pour la première fois de l'histoire du cinéma, les salles ont été jugées infréquentables, on va voir dans ce nouvel épisode comment on continue ce qu'on sait faire depuis le début. Comment se retrouver ensemble, devant un film, et débattre. Débattre après des mois de solitude derrière des écrans et des claviers. Pour ça, il faut commencer par se compter, apprendre et réapprendre à se fréquenter. Au Mutant Pangée, nous avons fait une tournée dans les salles avec le film Hack Injustice sur Julian Assange. Nous voilà ici à Montpellier, au cinéma Diagonale, et contre toute attente, la salle est pleine. 225 spectateurs. En ces temps-là, c'est vraiment exceptionnel. Mais ça ne marche pas tout seul. C'est le résultat de 40 ans de pratique au Diagonale. À quelques minutes d'entrée dans la salle pour le débat, on cause avec Noémie Bédred, qui a organisé la soirée, et qui se bagarre depuis des années pour faire vivre ce cinéma partagé, ce cinéma engagé. On est dans la rue du Diagonale. Moi, c'est un cinéma que je connais depuis très très longtemps, parce que c'est ici que j'ai fait mes armes de cinéphile. Et depuis le temps que je connais Diagonale, il s'en est passé quand même des choses. Alors toi, maintenant, tu programmes, t'es programmatrice, t'es directrice, on dit comment ? Je suis programmatrice. Voilà. Et donc, ça consiste à programmer des films, on est d'accord ? Oui, c'est pas faux. Il y a un truc quand même qui est étonnant, c'est que Diagonale, c'est quand même l'endroit là où ce soir on fait le plus d'entrées sur tous les films, toutes les tournées qu'on fait avec le film sur Assange. Et c'est pas un hasard quand même, c'est le travail de quoi ? Combien d'années ? Ça fait bientôt 40 ans que Diagonale existe. Ouais. Donc après, c'est le travail de toute une équipe, c'est le travail de celui qui a monté ça avec une équipe de 40 ans bientôt. Voilà. Après, pourquoi ? Pour plein de raisons. Ce soir, ça fonctionne à Montpellier parce qu'il y a un vivier de gens qui sont très engagés, militants, et qui sont intéressés par ces questions-là. Et puis que peut-être le boulot a été fait pendant toutes ces années. C'est quand même ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, ça se travaille, là, la curiosité. Un petit peu, non, c'est pas juste compliqué. Pour flatter. C'est parce que c'est qu'en fait, je sais que ça marche comme ça. C'est flatteur. Non, c'est qu'en fait, au final, ce que je veux dire, c'est que souvent, on est confronté à des gens qui disent « Ouais, mais c'est plus possible, le cinéma, machin, les débats, tout ça. » Et je réponds souvent Diagonale, mais pas que Diagonale. Il y a d'autres cinémas qui font ça. Mais c'est surtout le fait que c'est une pratique qui est durable, quoi. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Mmh. C'est ça que je veux dire. Et donc, ce travail-là, comment ça se construit ? Ça se construit... Enfin, moi, je suis persuadée que ça se construit avec les gens aussi au niveau local, quoi. Les gens à qui on est habitué aussi à avoir d'autres choses que ce qu'ils ont l'habitude de voir. On les a amenés sur d'autres terrains. On a montré des films qui... Puis, je ne sais pas, un esprit critique, qui donne un esprit critique. On a un mec comme Pierre Carl, que vous connaissez bien, qui est basé à Montpellier depuis plusieurs années, avec qui on a beaucoup travaillé aussi. On travaille beaucoup avec les associations locales et les militants. Donc ces gens-là, ils relaient, ils ont envie, ils sont contents de venir. Et donc il y a des films, par exemple, moi je me rappelle qu'on lisait la revue du Diagonale, enfin la Gazette, qui est quand même un outil... Le magazine qui est un outil principal du Diago. Ouais. C'est que moi, je me souviens, quand j'étais étudiant ici, on regardait les films, on disait, qu'est-ce qu'on va voir ? Tu ouvrais la Gazette et puis tu allais dans le magazine, pardon. Et t'allais voir le film, qu'il y avait une espèce quand même de... C'était plus qu'un conseil, quoi. C'est quelque chose de... C'était prescripteur. Oui. Et alors que maintenant, on est dans un monde où le cinéma, les gens, il faut qu'ils aient entendu parler du truc, etc., etc. Est-ce que tu as vu que ça avait changé ? Oui, ça a changé. Après, le magazine, les gens l'ont quand même long chez eux, aiment l'objet, donc on continue à le faire. On a basculé aussi sur d'autres, sur les réseaux, etc. On s'est aussi ouvert à ça. Mais le magazine reste quelque chose de très important pour les spectateurs montpelliérains, du Diagonale. Alors, je sais qu'il nous reste 5 minutes avant de rentrer. Je ne sais pas si on a le temps. Ouais, mais là, on est à la bourre. Ouais. Alors, on va continuer en marchant. Oui ou non, oui, le fameux de nos bibles, l'ondulatoire, oui ou le non, inflexible, oui ou non, oui, l'ondulatoire, oui ou le non, inflexible. À
Alors qu'en 2019, la fréquentation avait battu de nouveaux records, le cinéma a bien sûr commencé à chuter dès mars 2020. 2 ans de fermeture, confinement, déconfinement, des règles sanitaires qui ont sans cesse été changées, créant une confusion permanente, masques, mais surtout demi-jauge et fatal couvre-feu, puis passe sanitaire. Résultat, une baisse globale des entrées au cinéma de moins 25% en 2 ans. Mais de nombreux films qui se sont tournés quand même, et des embouteillages de films à chaque retour à la vie. Mais avec des inégalités qui se creusent, comme dans à peu près tous les secteurs de la société. Les petits films dits fragiles sont laminés. Pendant 2 ans, très peu de documentaires engagés ont pu sortir le nez dehors. Hésitation et éternel combat. L'ondulatoire, oui ou le non. Inflexible, oui ou non, non, oui. L'ondulatoire, oui ou le non. Inflexible. Tout le monde se dit, bon voilà, le cinéma, ça a pris un grand coup dans la gueule avec le Covid. Vous l'avez ressenti, bien sûr. Oui, on l'a ressenti. Et puis sur les événements et sur... sur mobiliser les gens, oui, on l'a ressenti. Alors, quand on a une soirée comme ça où il y a 225 personnes sur Hack in Justice, on est hyper content. Mais du coup, est-ce que ça ne donne pas envie quand même de repenser la suite comme ouais, on avait pensé le début? Mais complètement. Mais le problème, c'est toujours le temps qu'on a pour repenser et pour réfléchir. C'est toujours le même problème. Et que aussi, je trouve que c'est le contexte où on ne nous donne pas la possibilité de se poser, de réfléchir, parce qu'on a eu pas mal de bâtons dans les roues et pas mal de choses à mettre en place au niveau exploitation, au niveau sécurité, accueil des personnes, etc. Et ça, c'est compliqué. Ça a fait beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et qui prend du temps sur le reste, sur repenser, comment repenser en fait la programmation, comment repenser de faire venir les gens, comment aller chercher le public, ça on a moins de temps pour le faire. Alors, et puis bon, il y a eu les aides, vous avez quand même tenu parce qu'ils ont filé du fric quand même, hein. Il faut dire qu'ils ont aidé le cinéma, il ne faut pas... Complètement, oui. Bah, tout le temps qu'on a été fermé, les salaires ont été pris en charge à 80%, donc c'est pas rien. Mais seulement maintenant, on rentre dans la phase plus dure qui est la phase, bon, mais maintenant qu'on a passé le haut de la crise, il y a la suite de la crise et en plus il y a l'embouteillage des films aussi qui a eu lieu. Tous les films qui ont pu se tourner pendant le deuxième confinement et qui sont essentiellement des films français. Donc oui, il y a un gros problème de diversité qui arrive et qui est déjà là. Alors je crois qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller. Bon, j'ai essayé de faire court, hein, on ne peut pas à la fois manger, boire des coups. Parce que on ça fait partie du truc. On peut pas tout faire. En plus, mais c'est convivial. Mais voilà. Je veux dire, la convivialité, ça compte. Là. Ah merde, ça applaudit. Bon. Et alors là, on arrive, l'écran est déjà... Alors la lumière, c'est... Merde, moi, j'ai pas mis mon masque. Alors ça, c'est un nouveau truc qu'on n'arrive plus à faire. J'ai perdu mon masque. On n'a pas entendu vos applaudissements. Nous allons maintenant à Carcassonne, où je continue la tournée autour du film Hack in Justice, avec un partenaire historique de nos séances débat, la section audoise de l'Association des Amis du Monde Diplomatique, animée par Bernard Dauphiné. Au bistrot, juste avant le film, car le bistrot est au cinéphile, un lieu aussi important que la salle de cinéma elle-même. Bon, alors, on est ici dans le café... Comment il s'appelle ce café ? Le bistrot, ex-bistrot d'Augustin, le bistrot tout court, maintenant. On est à côté de la cité, pas très loin, on est surtout pas loin du cinéma, le Colisée. Et donc, je suis avec Bernard. Je suis, le titre officiel, c'est correspondant des Amis du Monde Diplomatique pour le département, depuis 1997. Ça veut dire que tu es un des plus anciens, quoi. Je fais partie des dinosaures des Amis du Diplôme, oui. Et depuis 1997, donc, où les premiers groupes ont commencé à se structurer, au départ, on discutait, on restait entre nous, puis on s'est dit, on est là pour aider le diplôme, on l'a aidé à se filialiser, mais aussi on veut le faire reconnaître. Donc on a commencé à faire des manifestations publiques, des conférences, des soirées projections de débats comme ce soir, et voilà. Quand même, depuis 2 ans,
on est sous ère Covid, une nouvelle ère qu'on ne connaissait pas. Et là, c'est quand même, les choses sont beaucoup plus compliquées. Vous le ressentez comment, vous, ça ? Ah ben, on le ressent par une baisse très importante de la fréquentation de nos activités, que ce soit les conférences simples ou les soirées en parallèle avec soit une projection, soit un spectacle théâtral. C'est évident qu'on a perdu pas mal de notre public. Pour tout un tas de raisons, les gens sont frileux, ils n'ont pas trop envie de sortir. Il y a ceux qui ne peuvent pas rentrer dans les salles parce qu'ils n'ont pas leur passe sanitaire. Je peux parler généralement, il n'y a pas que dans l'Aude. Les gens qui sont venus ici, avec qui j'ai discuté, qui sont allés présenter des films dans d'autres départements, ils me disaient, bon, à Lyon par exemple, il y a quelques temps, je ne dirais pas pour quelle projection c'était, il y avait 12 personnes dans la salle. C'est quand même Lyon, ville universitaire, grande ville. Je discutais avec la copine de Nantes cet après-midi qui me disait aussi que il manque énormément de public depuis la crise de Covid. Alors il y a plusieurs raisons, tu l'as dit. Alors il y a le problème du pass sanitaire, mais qui aussi touche plus les milieux contestataires et donc par conséquent les milieux qui sont sensibles au cinéma engagé. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qu'on a perdu, quoi, carrément. Quoi. Ah ben c'est évident. On a pu faire une soirée dans un village du département pour une projection de débat, parce que le maire avait mis à notre disposition une salle communale et il n'a pas voulu contrôler les passes sanitaires. Il a pris des risques. Là, on avait des gens, mais qui ne viendront pas ici, ou qui n'iront pas à une autre soirée, parce qu'ils savent qu'il faudra qu'ils présentent leur flash code. Donc ça, c'est double peine pour nous, quand même. Ah oui, oui, oui. Discours d'Emmanuel Macron, 12 juillet 2021. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. C'est évident qu'il a réussi à diviser des gens qui, jusqu'à présent, étaient unis. Pas sur tout, mais on avait quand même des grands points communs qui nous unissaient, qui nous réunissaient et qui nous permettaient de réfléchir ensemble et de faire avancer cette réflexion. Maintenant, revenons au cinéma, parce que c'est, bon, nous, c'est par là qu'on va. C'est par là qu'on essaye d'agir, par les idées, par justement rassembler des gens qui ne sont pas forcément toujours d'accord. Mais le lieu du cinéma, c'est le lieu du débat, c'est le lieu du rassemblement. Et là, nous voilà quasiment tout seuls entre nous. Là. On ne sait pas comment on sera ce soir. Mais en tout cas, on se retrouve quand même, effectivement, maintenant, avec une partie de cette population qui disparaît des salles. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les revoir. Effectivement, il va falloir retrouver ce plaisir de partager un film, de partager des échanges après un film devant lequel on s'est énervé, on s'est éclaté, on a apprécié ou on n'a pas du tout apprécié. Mais ensemble, on ne peut que progresser, j'espère. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Alors voilà, là je parle avec un masque. Alors évidemment on ne m'entend pas bien, mais je suis dans la salle de cinéma qui est magnifique. C'est une salle extraordinaire, on dirait un opéra. Et alors on est en train avec les copains des amis du Diplo, là, on est en train de se lamenter sur l'histoire de ce débat qu'on a du mal à faire et tout. Et puis la salle se remplit petit à petit. Étonnamment, on commence à avoir une bonne trentaine, quarantaine, peut-être cinquantaine de personnes. Et on était en train justement de regarder qui étaient les visages nouveaux. Alors les copains, ils sont en train de dire, tiens, ceux-là, on ne les connaît pas. Il y a des gens que tu ne connais pas dans la salle.
c'est ça? Il y a des gens que tu reconnais oui, pas. Il y a des têtes que je ne connais pas. Bon, là, quand même, une bonne partie, je les connais. Mais il y en a quelques-uns que je n'ai jamais vus. Je ne sais pas comment tu fais, parce que tout le monde est masqué. Oui, mais les yeux, le front, les cheveux, l'allure générale, quand ils sont rentrés, quand ils ou elles sont rentrés. Oui, il y a des... Eh bien, je suis pas le seul, je vois le copain aussi d'attaque, et il dit qu'il y a des gens qu'il ne connaît pas. Donc c'est bien. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Et pour continuer à se compter, il va falloir repartir à la charge et convaincre. Convaincre pas seulement de l'intérêt des films qu'on défend, mais qu'ensemble, on va passer une bonne soirée. Résister à un système qui nous transforme peu à peu en consommateurs solitaires. Apprendre et réapprendre à vivre ensemble. Ça va pas être facile. Mais le cinéma est un des meilleurs outils pour le faire. Merci à Noémie Bédred du Diagonal Montpellier, à Bernard Dauphiné des Amis du Diplo de l'Aude, mais aussi pour leur musique à Nino Rota, Claude Nougaro et bien sûr André Menviel qui nous a offert le générique du podcast des Mutins. C'était un reportage de Olivier Azam pour Les Mutins de Pangée. Dans le prochain épisode de cette série, on fera un petit flashback du cinéma d'Alger au cinéma d'Attaque.